En 1965, Raymond Moody s'est vu demander par ses étudiants à parler du phénomène. Ni une ni deux, ce fut suffisant pour piquer sa curiosité et programmer aussitôt un cours sur la survie potentielle de la conscience après la mort biologique. Moody a recueilli de nombreux témoignages auprès de personnes ayant été au seuil de la mort, que nous appelons expérience de mort imminente. Mais pas seulement. Au cours de ses investigations, il a pu entendre ainsi des expérienceurs raconter de surprenantes histoires au sujet de sorties de corps suite à un traumatisme, un état de relaxation profond ou encore un choc émotionnel.